Bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Et vous, ça va? Ça va, Dieu merci. Vous tenez le coup? Bien sûr. Ok, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Alfred Ramavari. Je suis le fils de Raja Wao Gallo et de Ella Jabulet Bari. Ce moment était à la base de cette façon. Mais en fait, je suis très, très, très étonné que ce matin, sans préavis, que nous nous retrouvions devant plus de six pick-up de la gendarmerie nationale. Et vers 4 heures du matin, ils ont commencé à encercler l'endroit, ils ont commencé à casser les endroits et que les gens étaient à l'intérieur. D'accord. Vous pensez que c'est normal ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont pas donné de préavis? Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y avait pas de conflit donc antérieur entre vous? Avant 1990, il n'y avait aucun conflit. C'est en 90, après les aménagements de cet endroit, on a annexé le lot 46 de Caporo, du lotissement de Caporo, en remettant l'extension dans Caporo Temodula. Donc, la part qui revenait de droit à ma mère, elle a bénéficié de la loi du tiers de 19 parcelles. Dans les 99 parcelles qui avaient été relevées chez elle. Donc, de ce côté-là, nous avons régularisé les 19 parcelles qui nous ont été signifiées par l'inspecteur général de l'habitat, à l'occurrence M. Gamis, l'inspecteur général. Ok, est-ce que vous possédez toutes les pièces des terrains et les papiers légaux? Oui, on a obtenu un décret présidentiel de 14 parcelles réunies pour un complexe hôtelier. Et les autres parcelles ont été dotées des arrêtés ministériels. Dans les 19 parcelles qui ont été rétrocédées par l'État à ma mère, c'est ce que nous avions occupé. Il y a eu en 1994 assignation de justice